Bonjour à tous, bienvenue dans ce live Futura. Il est consacré aujourd'hui à un projet d'expédition scientifique inédit, fascinant, à bord d'un vaisseau vertical qui ne ressemble à rien de connu ou presque, le Polarpod, la mission Polarpod, qui va dériver pendant 2 ans autour de l'Antarctique. On va en parler pendant 1 heure à peu près avec un homme au cœur de ce projet, l'explorateur Jean-Louis Étienne. Bonjour. Bonjour. Et pour échanger avec vous, je suis accompagné aussi de ma collègue et journaliste à Futura, Nathalie Mayer. Bonjour Nathalie. Bonjour, contente de vous retrouver tous aujourd'hui sur ce live Futura. La dernière fois, vous m'aviez accompagnée du côté de l'Arctique avec Heidi Sevestre. Cette fois-ci, cap au sud, on prend la route de l'Antarctique. Parfait, on fait la pendule. Un petit mot pour les internautes qui nous suivent déjà et qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat du live si vous avez déjà des questions ou si des questions arrivent au fur et à mesure de la discussion. On prendra un peu de temps pour y répondre en fin d'émission. Pour vous mettre dans le bain tout de suite, on va commencer par une petite vidéo, un petit trailer qui va résumer un petit peu les enjeux de cette mission et on se retrouve juste après. Destiné à l'étude de l'environnement dans l'océan austral, le projet Polarpod, porté par Jean-Louis Étienne, est officiellement entré dans sa phase opérationnelle. La construction de ce navire vertical devrait être parachevée en 2023, pour le coup de départ de ses 2 tours du monde. Sans coque ni moteur, lesté par un poids de 150 tonnes, il sera porté par les eaux du courant circumpolaire antarctique, le courant océanique le plus puissant sur Terre. À son bord, des équipes de chercheurs et de marins se relaieront afin d'étudier ce territoire encore méconnu qu'est l'océan austral. Seul océan dont les eaux effectuent le tour du globe sans rencontrer de masse continentale, celui-ci joue un rôle capital dans la régulation du climat en stockant l'excédent de chaleur et en agissant à la fois comme un puits et une source de CO2. De par sa capacité à exporter massivement des matières nutritives vers d'autres latitudes, son impact s'étend à l'ensemble du globe dans les airs et dans les eaux. Enfin, il représente un réservoir de biodiversité marine encore très peu exploré. Et pourtant, en dépit des satellites qui le survolent et des bouées qui chevauchent ses flots, les scientifiques sont unanimes sur le manque de moyens déployés à ce jour pour mieux en comprendre les mécanismes et les cycles. Les chercheurs à bord de Polarpod ont donc encore tout à découvrir. Au cours de leur navigation de 3 ans, ils espèrent pouvoir ouvrir des portes sur des univers nouveaux pour notre connaissance et notre plus grand émerveillement. Alors voilà pour les grandes lignes de ce projet, cette aventure Polarpod. Jean-Louis Étienne et Nathalie, on vous a présenté avant de vous voir, maintenant on vous voit enfin. Donc bonjour à nouveau avec vos visages. Jean-Louis Étienne, pour vous présenter en deux mots, on ne va pas refaire toute votre biographie, ce serait beaucoup trop long. Mais en quelques mots, disons que vous êtes médecin de formation, que vous êtes un explorateur bien connu du grand public. Vous avez entre autres été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, c'était en 1986, en tirant votre traîneau à bout de bras. Et puis, quelques années plus tard, vous avez réalisé la plus longue traversée de l'Antarctique, aux Antipodes, de l'autre côté, cette fois en chien de traîneau et en équipe, en 1990. Vous avez exploré des montagnes, des océans, des îles. Et puis, pour mentionner un dernier record un peu plus récent, vous êtes devenu le premier homme à réussir à la traversée de l'océan Arctique, ou là, le survol plutôt, à bord d'un ballon. Et aujourd'hui, on reprend le mouvement de bascule, vous repartez côté Antarctique, donc dans cet océan austral, circumpolaire. Pour cette projet, cette mission Polarpod. Alors, on va aborder les grands enjeux scientifiques de cette mission, bien sûr, mais avant ça, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce qui fait les défis, les enjeux de cette région, parce que un des défis de cette région, c'est qu'elle est très peu accessible. Il y a eu très peu de missions auparavant. Qu'est-ce qui la rend si peu accessible et si compliquée à explorer? Alors, comme vous l'avez dit, l'océan Austral, c'est l'océan qui entoure le continent Antarctique. Là, on est dans l'hémisphère sud. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent ou nous regardent à regarder la planète avec le pôle sud devant pour se rendre compte que l'hémisphère sud est un immense océan, en fait. C'est le sud de l'Atlantique, c'est l'Indien, c'est le sud du Pacifique. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est loin, c'est difficile d'accès, c'est coûteux. Et il y a très peu de missions. La France bénéficie quand même d'un bateau qui s'appelle Marion Dufresne, qui fait régulièrement de la Réunion jusqu'aux îles Kerguelen, ces îles que des terres australes et antarctiques françaises, et donc emmène avec eux des scientifiques qui étudient cet océan. Mais en général, les missions se font pendant la période d'été, c'est-à-dire de décembre à mars. Puis il y a quand même une série
d'animaux instrumentés que l'on fait. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a les satellites, mais toutes les communications se terminent par la même phrase. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan pour faire un tas de mesures, pour mieux le comprendre et pour mieux l'étudier. Et cet océan, les marins du Vendée Globe nous en parlent tous les 4 ans, si vous voulez, c'est les fameux 50e hurlants. Donc ce sont des zones agitées, très ventées. Et pour ça, il a fallu construire un vaisseau spécial pour séjourner sur cet océan dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Donc, vous l'avez vu, c'est le Polar Pod. Oui, vous dites que c'est la région des 50e hurlants. Il faut dire que c'est le courant le plus puissant de tous les océans. Je crois qu'il est, en termes de débit, c'est 2 fois le débit du Gulf Stream, par exemple, pour se donner un ordre de grandeur, ou 600 fois celui de l'Amazon, pour parler des notions qui parlent un peu plus aux gens. C'est ce qui rend cette navigation si compliquée. Il y a vraiment des vagues énormes, des tempêtes prodigieuses. Ça le rend inaccessible en hiver, c'est ça principalement ? Pas forcément inaccessible en hiver. Nous serons entre, on va dériver, donc le Polar Pod va faire sa navigation entre 50 et 55 degrés de latitude sud. Donc ce qu'on appelle les fameux 50e hurlant ou rugissant, ce sont des zones très ventées, avec un vent qui fait le tour de l'Antarctique, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est des vents d'ouest, et qui sont relativement bien installés, qui sont forts, et donc qui entraînent une mer qui est relativement tout le temps agitée, été comme hiver. Mais ce qui le rend difficile d'accès, c'est surtout son éloignement, si vous voulez, et ses conditions difficiles. Donc, l'équation qui était à trouver, c'était quel type de vaisseau. Parce qu'en fait, il faut un vaisseau qui soit stable dans la grosse mer. N'importe quel bateau, si vous voulez, est posé sur ce qu'on appelle la, en termes de navigation, la zone de conflit, c'est-à-dire là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues, voyez. Et donc, un bateau qui séjourne sur les 50e passe son temps à se faire secouer, surtout quand vous faites de la recherche. Des fois, vous arrêtez le bateau pour faire des mesures. Donc, sur un océan comme ça, c'est assez difficile. Et donc, pour faire des mesures en continu, dans des bonnes conditions, la qualité principale du Polar Pod, c'est d'échapper à la surface. Cette zone agitée, parce qu'il a un tirant d'eau, c'est-à-dire sous l'eau, le treillis que vous avez vu, ces 3 tubes, descend à 80 mètres de profondeur, donc est pris dans des eaux beaucoup plus stables que la surface, avec un lest de 150 tonnes au fond, qui le rend effectivement très stable dans la mer très formée des 50e hurlants. On va décrire un petit peu cette conception du Polar Pod en détail. Avant ça, je voulais juste finir un petit peu le portrait robot de cet océan si particulier. Je vous ai entendu déjà raconter que c'était un peu la courroie de transmission des autres océans, finalement. En quoi c'est une courroie de transmission et qu'est-ce qui le rend si particulier ? Alors, donc, encore une fois, il faut regarder l'océan austral, qui est un océan annulaire, c'est un anneau, si vous voulez, qui tourne autour de l'hémisphère sud, autour de l'Antarctique, et alimenté par ces vents de surface qui sont des vents d'ouest très forts, et donc qui entraînent dans son sillage ces 3 grands bassins, les eaux du sud de l'Atlantique, de l'Indien et du Pacifique. Donc il joue cette courroie de transmission entre les 3 océans qu'il brasse, et puis ces eaux qui arrivent sont des eaux relativement clémentes, qui rencontrent des eaux froides, qui s'alourdissent, qui plongent et qui vont alimenter le courant océanique mondial. Donc c'est un moteur important de la circulation océanique mondiale. Alors pour arpenter, explorer ce moteur océanique, vous avez donc conçu avec d'autres le Polar Pod. Pour le décrire en quelques mots, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un bateau finalement, ou est-ce que c'est une espèce de parce qu'il n'a pas de moteur, il se laisse dériver. Donc comment vous le définiriez ce vaisseau ? Alors, c'est une bonne question. Quand on a commencé à travailler, bon, parce que c'est un navire de travail, donc il y aura des chercheurs, il y aura des marins professionnels, et donc nous avons commencé à travailler avec ce qu'on appelle la Commission centrale de sécurité des navires, parce que c'est un navire qui a été extrêmement étudié. Et au début, aux affaires maritimes, ils ont ouvert un dossier navire vertical. Donc vous voyez, parce que navire vertical, ça veut effectivement, ça décrit ce que ça veut dire, c'est qu'il est vertical par rapport à la surface de la mer. Mais il y a 11 définitions du mot navire. Enfin bref, en fait, c'est un engin flottant non motorisé.
C'est comme ça qu'on a trouvé cette classe-là. Engin flottant non motorisé. Non motorisé, ça veut dire que l'on est emporté par le courant circumpolaire qui est le moteur de déplacement. Et donc, on n'a pas besoin de moteur pour avancer. Et il est autonome en énergie en utilisant le vent de ce secteur. Mais la qualification, c'est engin autonome non motorisé. Alors, un engin autonome non motorisé de 1000 tonnes, quand même, ça fait son poids. 100 mètres de haut, donc 80 mètres de tirant d'eau, vous l'aviez dit. Et donc, l'enjeu, c'est ce que vous avez développé depuis de nombreuses années maintenant, d'essayer de le stabiliser pour pas qu'il soit soumis à ces grosses vagues et donc qu'il puisse être plus stable qu'un navire d'exploration classique. Oui, oui. Alors, ça, c'était l'étude. Alors, je me suis rapproché d'un bureau d'études qui est à Lorient, qui s'appelle Ship ST, qui est dirigé par Laurent Mermier, qui a été passionné par ce projet. Et c'est un projet assez complexe. Au départ, on est arrivé avec l'idée de faire un tube de 100 mètres, parce que c'est plus facile à faire qu'un treillis. Mais on s'est rendu compte qu'un tube comme ça de 100 mètres, c'est très difficile de le stabiliser, vous voyez, parce que un des échecs qu'il faut éviter, c'est d'entrer en résonance avec la houle. Vous voyez, parce qu'on va être porté par la houle. Il fait 1000 tonnes, comme vous l'avez bien dit. Et donc, si vous commencez à danser avec la houle, quelque chose qui fait 1000 tonnes, vous ne savez pas où ça s'arrête. Vous voyez, je veux dire. Donc, il faut qu'il ait une fréquence de pilonnement. Le pilonnement, c'est ce mouvement. Hein, le pilon, quand on pilonne, on fait comme ça. Donc, ce mouvement vertical de pilonnement, il faut qu'il ait une fréquence éloignée de la fréquence de la houle. Alors, sa fréquence de pilonnement, c'est-à-dire il fait ce mouvement-là en 60 secondes. Et la fréquence de la houle, c'est 20 à 22 secondes. Donc, vous voyez, on est loin de la période de la houle. Donc, déjà, on évite d'être emporté par la houle. Donc, on ne pilonne pas avec la houle. Ça, c'était une première chose à éviter. Ensuite, il est évident qu'il va être le plus possible vertical, puisqu'on échappe au mouvement des vagues. Mais d'une manière générale, on va quand même avoir des vagues qui vont arriver, si vous voulez, à presque arriver en haut de la nacelle et puis être puissantes et nous coucher. Bien sûr, on aura certains mouvements comme ça de roulis. Mais étant donné qu'encore une fois, il y a des gens qui travaillent à bord, la commission de sécurité des navires nous a demandé de faire une étude du mal de mer, vous voyez, puisqu'on va habiter à bord. C'est beaucoup plus confortable dans ces mouvements, je viens dans ces mouvements, qu'un navire. Pour ces raisons-là, si vous voulez, ce qui rend malade, c'est ce mouvement de pilonnement, le bateau qui monte, qui redescend. Voilà. Donc, on est loin, si vous voulez, des mouvements de la houle. Ensuite, il y a des mouvements comme ça qui vont être entraînés, des mouvements de saccade, si vous voulez. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle des mouvements de lacets, des choses comme ça, des mouvements assez saccadés. Et là-haut, on a des accélérations qui sont de 0,3G. Pour vous donner une idée, l'accélération de 0,3G, c'est ce qui correspond dans le TGV quand vous allez au bar. Vous voyez, vous allez au bar et de temps en temps, vous revenez avec votre café. Voilà, ça, c'est 0,3G. Donc, c'est tout à fait compatible, si vous voulez, parce que ce n'est pas sans arrêt, bien sûr, c'est de temps en temps, dans le très gros temps. Donc, toutes ces études-là nous ont conforté dans l'idée que PolarPod offre une sécurité, un confort beaucoup plus grand qu'à bord d'un bateau classique. Alors, ce sera un TGV assez pépère dans son rythme, parce que donc il va se laisser dériver avec le courant. Ça fera une vitesse d'environ 1 nœud, c'est ça, donc 1,8 km/h. Donc, quelque chose d'assez lent. Pour les amateurs de chiffres, ce que vous racontiez sur cette houle, vous affichez un mouvement de 10% de la hauteur des vagues qui sera celui du PolarPod. Donc, on voit que c'est amorti d'un facteur 10 par rapport à un bateau classique, finalement. Vous parlez de sécurité. Il y a une question qui vient rapidement quand on pense à la sécurité à un navire qui évolue dans ces eaux, c'est celui de comment esquiver les dangers éventuels, notamment les icebergs, pour un bateau qui n'a pas de propulsion. Est-ce que ça, vous avez des modélisations ou des protocoles pour réagir à des obstacles en mer? Oui. Alors,
on est un navire, comme on disait tout à l'heure, navire, c'est un bien grand mot, on est un engin non motorisé. On n'a pas de moteur. Le moteur principal, encore une fois, c'est le courant qui nous entraîne. Mais on a l'obligation d'être manœuvrant. Nous devons avoir manœuvrabilité pour les raisons que vous venez d'évoquer. Si jamais sur notre route, on voit qu'on a une route de convergence avec un iceberg. J'ai noté, là, vous avez dit TGV. Nous, on va être TLV, très lente vitesse, quoi, hein. On est à peu près à 1 km/h, vous voyez, un truc comme ça, 1,5 km. Le courant n'est pas homogène. Donc, sur notre radar, si à un moment donné, on se rend compte que, parce qu'il y a un iceberg qui n'est pas très loin, enfin, un iceberg qui peut être à 20, 25 km, vous voyez, on le voit sur le radar, et au bout de quelques jours, peut-être, on va se rendre compte que ben, on n'a pas la même vitesse, peut-être on va plus vite que lui, mais on va dans la même direction et qu'il faudrait s'en éloigner. Alors, on a deux possibilités. La première, donc je rappelle à ceux qui nous ont vus, vous avez vu, il y a deux ailes. Il y a deux ailes de part et d'autre du Polar Pod. Donc, on met des voiles d'un côté ou de l'autre. En mettant des voiles asymétriques, on est emporté d'une manière, on part en crabe un peu, vous voyez. Donc, on a une façon de s'éloigner, de sortir de la route du courant en utilisant le vent. Et on a aussi une deuxième façon, c'est qu'à 10 mètres sous l'eau, il y a deux tuyères, si vous voulez, de 90 chevaux, avec un couple électrogène spécialement affecté pour ça, de manière, si jamais ça n'avançait pas bien, s'il n'y avait pas du tout de vent, on pourrait éventuellement se dédouaner de ça. Mais c'est essentiellement le vent qui peut nous éloigner. Oui. Ce sera un vaisseau fait pour 8 personnes à bord, c'est ça qu'on... Une partie sera consacrée à des scientifiques, l'autre à des marins. Qui se relaieront au fur et à mesure de la mission tous les deux mois. Il y a un relais, effectivement. Donc, une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'on a fait, bien sûr, des essais avec des maquettes. Et on a fait des maquettes pour simuler, pour regarder comment il se comporte en mer. Toutes les résultats dont je vous ai parlé, le pilonnement, c'était des choses qui avaient été étudiées sur les ordinateurs, donc par les ingénieurs, et qui ont été validés par les essais sur des maquettes. Alors, on fait des maquettes et on fait des essais, ce qu'on appelle des bassins à vagues. Les bassins à vagues sont des sortes de piscines avec le bout de la piscine qui est mobile comme ça, un piston qui fait des vagues. Et on regarde le comportement d'une maquette qui est instrumentée, donc on regarde tous les mouvements. On a fait ça au bassin à vagues d'Ifremer à Brest et à l'École centrale de Nantes. Et donc, on s'est rendu compte qu'en étant vraiment, en mettant une mer très forte, le Polar Pod se couche comme ça et se redresse parce qu'on a un lest de 150 tonnes. Donc, il y a ce phénomène culbuto un peu, vous voyez, là. Mais c'est un navire qui est certifié, si vous voulez, donc vous l'avez évoqué, il y a 8 personnes qui travaillent à bord. Donc, encore une fois, il doit être certifié d'une manière pour sa construction. Et donc, il y a ce qu'on appelle le Bureau Veritas. Le Bureau Veritas, c'est un bureau de certification. Donc, ce sont des ingénieurs qui valident toutes les études qui ont été faites. Et ils sont gourmands. Ils sont gourmands dans la sécurité. Ils nous ont demandé de pouvoir affronter la vague cinquantennale. Alors, la vague cinquantennale, c'est la plus grosse vague que l'on peut voir sur une période de 50 ans. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas de marin qui l'a vu. C'est une vague de statistiques, c'est une vague d'ordinateurs, c'est une vague d'algorithmes. Et l'ordinateur nous a sorti un truc absolument infernal, une vague de 38 mètres. 38 mètres de creux à crête, hein, 38 mètres de haut. Elle passe toutes les 18 secondes, c'est sa fréquence, et ça dure 3 heures. Voilà la tempête cinquantennale maximale que l'ordinateur peut inventer. Mais comme l'ordinateur l'a inventé, nous devons répondre effectivement à cette préoccupation qui peut être justifiée, c'est une vague de statistiques et pourquoi pas. Donc on a fait une maquette spéciale un petit peu plus petite pour pouvoir faire une très grosse vague. Nous avons fait à Brest, à Ifremer, et effectivement, dans ce cas-là, le bateau, la vague prend la partie aérienne, hein, la nacelle là-haut,
le couche comme ça, et puis il revient. Alors, il est évident que les 8 personnes qui sont à bord, ce n'est pas une vague qui arrive d'un coup. Vous voyez, on l'a senti monter, quoi. Donc, on a fermé tous les placards, on a fait tout ce qu'il fallait, de manière à attendre le pire. Et puis, si le pire arrive, voilà. Donc, revenir à votre question, les 8 personnes qui seront à bord ne vont pas rester toute la mission. Ça devrait durer 3 ans, normalement, vous voyez. Parce qu'on nous a demandé de faire, la communauté scientifique, la direction scientifique, nous a demandé de faire 2 fois le tour de l'Antarctique. Deux fois le tour de l'Antarctique à faible vitesse, on a calculé, d'après nos estimations, que ça lui durerait 36 mois, c'est-à-dire 2 ans. Et donc, il y aura une relève d'équipage tous les 2 mois, moyenne, vous voyez, avec un navire ravitaillé. Relever, c'est ça, ouais. Oui, oui. Il y a, donc, les personnes à bord seront relayées, il y a des nouvelles qui arrivent, et c'est un renouvellement d'équipage. Alors, je m'amuse avec ça, hein, mais qui sera beaucoup plus agité que Thomas Pesquet. Hein. Je rigole, hein, j'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup d'estimation, bien sûr. Mais quand Thomas arrive, si vous voulez, il est dans son fauteuil, tranquillement. Depuis à terre, on lui a mis, on a fait le plug et il n'a qu'à voler, s'envoler pour aller chez l'autre. Bref, non, c'est pour illustrer que une des difficultés de cette mission, c'est le relève d'équipage, parce qu'elle va se faire en pleine mer. Donc, bien sûr, on choisira des meilleures météos. Alors, les équipiers, on viendra avec une forme de zodiac à la verticale de l'aile, si vous voulez, on a un treuil. Donc, on sera en combinaison étanche, bien sûr, avec de la flottabilité et un harnais. Donc, on accroche le harnais et fou, on est treuillé. Voilà, donc c'est la partie sportive de cette mission. Encore un petit mot avant d'évoquer vraiment le fond des enjeux scientifiques et de ce que vous allez explorer. Un petit mot sur l'agenda. Vous avez le vaisseau et les études ont été faites, mais le vaisseau n'est pas encore construit. Ça va être construit en 2022, c'est ça, pour un lancement mi-2023? Oui. Alors, c'est l'État qui finance la construction. C'est un investissement de recherche de l'État. C'est IFREMER qui est maître d'ouvrage, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupe du suivi de l'étude, hein, et du suivi de la construction. Donc, ce qu'on appelle les marchés publics, donc c'est un financement d'État. L'appel d'offres a été fait auprès des chantiers, et le chantier sera choisi au mois de décembre de cette année. La construction commencera au début de l'année prochaine, pour effectivement une mise à l'eau au mois de mai 2023. Il y aura après ce qu'on appelle une campagne d'essai. D'abord, une campagne d'essai chantier pour regarder que tout se passe bien. Puis, moi, avec les équipes donc, qui monteront à bord, on fera une campagne d'essai de simulation avec des relèves d'équipage, avec tout le matériel. Et puis, le bateau sera mis, le Polar Pod sera tiré dans le courant circumpolaire au sud de l'Afrique du Sud en novembre, par là, novembre-décembre 2020, qui sera le point de départ, effectivement, de la mission. Peut-être un petit mot aussi en hommage à vos prédécesseurs, parce on a parlé du côté inédit de ce vaisseau à la forme absolument incroyable, mais il est aussi inspiré de choses un petit peu similaires avec des différences précédentes, notamment le vaisseau Flip américain qui date d'il y a plus de 50 ans, mais qui était déjà un vaisseau vertical. Oui. Oui, en fait je suis parti aux États-Unis sur les conseils de Laurent Mermier de Ship ST. Il m'a dit il y a un navire comme ça qui existe, qui est un flotteur vertical, il s'appelle le Flip, F-L-I-P, et qui a été construit dans les années 60 par l'US Navy, par la Marine nationale américaine, pour écouter les sous-marins dans le Pacifique, parce qu'effectivement c'est un navire vertical, stable, et au fond ils mettent ce qu'on appelle des hydrophones pour effectivement écouter les sous-marins. Et donc ce navire qui n'est pas motorisé, pareil, mais lui c'est un tube, hein, lui total, donc il est tiré à la verticale, exactement comme nous, on s'en est inspiré bien sûr, et on le passe à la verticale. Donc la différence c'est le Flip est un tube plein, je l'évoquais au début, on est parti sur cette idée de faire un tube plein, mais le Flip est fait pour le Pacifique Nord, dans des latitudes assez clémente, on va dire, alors que
le tube américain serait entré en résonance avec la houle, donc ne convenait pas du tout. C'est pour ça qu'on est passé à la forme treillis. Merci Jean-Louis. Je vais reprendre un petit peu la main pour aborder maintenant un peu les enjeux scientifiques. Qu'est-ce qu'on va faire sur cet engin? Et peut-être juste avant ça, évoquer quelque chose dont on a parlé, c'est un vaisseau sans moteur. J'ai l'impression qu'on commence à voir un petit peu des expéditions comme celle d'Aïdis Sevestre, pardon, les Sentinelles du Climat, qui sont parties en Arctique de manière verte. Elles ont laissé tomber les motoneiges, etc. Elles sont parties en traîneau, à ski. Une nouvelle façon un peu de faire la science. Est-ce que c'est aussi, vous, quelque chose qui vous a motivé dans la conception de ce Polarpod? Oui, juste une parenthèse, ce qui m'avait motivé dans la construction d'Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui, c'était, là, je fais une parenthèse pour qu'il n'y ait pas de confusion. Là, je vous amène dans l'océan Arctique, au nord. Le pôle nord est au milieu d'un océan gelé qui est recouvert par la banquise. Il est difficile d'accès parce qu'il est recouvert une majorité de l'année par la banquise. Et j'avais fait construire Antarctica, qui s'appelle Tara, et qui a exploité les mouvements de la banquise, si vous voulez, la dérive de la banquise, qui se fait depuis le détroit de Bering, pôle nord, et puis du côté du Groenland, pour étudier cet océan. J'aime bien ces dérives lentes. Je l'ai fait après pour la mission banquise. J'avais construit une cahute, effectivement, qui s'est installée. Et là, ça me paraissait naturel, si vous voulez, d'exploiter le courant, parce que vous avez raison de le soulever. Le Polarpod est un navire zéro émission, en fait. Zéro émission du fait que le moteur, encore une fois, on le répète, c'est le courant qui nous entraîne. Et l'énergie, l'électricité que nous faisons, nous aurons 6 éoliennes de 3 kW chacune. Et donc, il y a suffisamment de vent là-bas pour avoir du vent quasiment constant. Et l'électricité sera stockée dans 2 bacs de batteries lithium-ion qui assureront l'intervalle si jamais de temps en temps il y avait des pannes de vent. Mais c'est important. Et j'ai évoqué tout à l'heure les relèves d'équipage qui se feront tous les 2 mois. Là, nous allons construire un navire spécial pour ces relèves et qui va exploiter au mieux le vent pour y aller. Donc, bien sûr, il sera équipé de voiles. D'accord. Et c'est aussi la conception, la forme de ce Polarpod, une manière d'avoir un impact réduit aussi sur l'océan qu'on est en train d'étudier, de ne pas le perturber et d'avoir des mesures les plus justes possibles. Oui, c'est évident. Alors, quand on suit l'activité maritime aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas un magazine. Moi, je suis abonné à un truc qui s'appelle Le Marin, un magazine. Il n'y a pas un magazine toutes les semaines sans qu'on parle effectivement de la nécessité pour la navigation aujourd'hui, pour la marine marchande, pour la marine de recherche, effectivement, de limiter au maximum les émissions. Alors, les bateaux comme ça étaient tournés au fioul lourd en général, qui émettent beaucoup de CO2, bien sûr, mais qui émettent du soufre, des oxydes d'azote, etc., qui sont très toxiques finalement. Donc aujourd'hui, on vient vers le gaz naturel liquéfié, et puis de plus en plus, on demande à ces navires d'exploiter au mieux le vent. Donc il y a des navires qui vont bientôt être équipés de voiles. Alors ce sont des voiles qui sont beaucoup plus technologiques, qui sont beaucoup plus rigides, si vous voulez, mais on va effectivement, il y a un encouragement à utiliser, à abandonner le fioul lourd, qui est très émissif, quoi, hein, par une navigation. Alors ensuite, on peut utiliser l'hydrogène, on en parle beaucoup, mais l'hydrogène, c'est quelque chose qui demande de l'énergie pour être mis à disposition, mais toutes ces énergies à la fois renouvelables que sont le vent et les énergies propres localement à base de batterie ou de vent, sont tous les armateurs aujourd'hui sont dans une réflexion là-dedans. Il y a même des bateaux qui vont marcher à l'ammoniac bientôt, donc qui va ne plus émettre de CO2. Donc il y a des investissements importants qui sont faits sur ces navires, tant du commerce que des navires de recherche. Et Ifremer n'échappe pas à cette réflexion. Effectivement, ils ont commencé à travailler sur des propulsions véliques, sur des navires qui seront beaucoup moins émetteurs. Donc des navires zéro émission ou faible émission. Donc justement, le Polarpod, un des enjeux
scientifique de cette expédition, c'est d'étudier le rapport entre cet océan austral et le climat de notre planète, parce que cet océan, il est un peu particulier, il stocke, il a la capacité en tout cas de stocker du CO2. Il pourrait aussi stocker, pas stocker, mais libérer au contraire du méthane. On a des études qui commencent à s'en inquiéter. Et puis d'autre part, avec le réchauffement, on a de la glace qui fond par milliards de tonnes et à un rythme de plus en plus rapide. Donc voilà, on a besoin de quelqu'un qui aille sur place pour prendre tout un tas de données et pour que les scientifiques puissent enfin préciser ce qui se passe là-bas et pourquoi et comment ça se produit. Oui, Nathalie, vous avez raison, les régions polaires sont très impactées par le réchauffement climatique. Alors, les régions polaires sont des acteurs principaux du climat, la machine climatique, pour être simple, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques qui est permanente et le froid des pôles. Et la Terre, elle a deux fluides, c'est les courants atmosphériques et les courants océaniques, entre autres le courant circumpolaire fait partie de cette régulation. Mais vous l'avez soulevé, l'océan austral est ce qu'on appelle le principal puits de carbone océanique de la planète. Puits de carbone, ça veut dire qu'il capte beaucoup de CO2, il soustrait beaucoup de CO2, si vous voulez, de l'atmosphère. Donc, le réchauffement climatique, c'est une émission excessive de gaz carbonique qui va dans l'atmosphère. La moitié reste dans l'atmosphère, l'autre moitié est recaptée au sol, à terre par la photosynthèse, par les plantes. Les plantes, tout ce qui est vert, contient un pigment de chlorophylle, qui capte le gaz carbonique dans l'air, qui sous l'action de la lumière et avec l'eau qui est amenée par les racines, fait du glucose, ça s'appelle la photosynthèse, et nous libère de l'oxygène. Donc à terre, tout ce qui est vert, les prairies, les arbres, si vous voulez, les haies, enfin tout ce qui est vert, donc qui contient de la chlorophylle, participe à la recapture du gaz carbonique qu'on a envoyé en excès dans l'atmosphère. À peu près la moitié est absorbée à terre et l'autre moitié est absorbée par les océans. Alors, de deux manières, par les océans. D'une manière, par ce qu'on appelle la pompe biologique, pompe au sens où ça capte CO2. La pompe biologique, c'est l'océan, on le voit toujours bleu, mais en fait, l'océan, il est vert quand même, parce qu'il y a beaucoup de plancton, d'herbes planctoniques, d'algues microscopiques. Et donc, c'est la végétation océanique. Et exactement comme la végétation à terre, cette végétation qui est verte, si vous voulez, capte le gaz carbonique pour sa photosynthèse. Et avec ça, si vous voulez, elle se développe. Et c'est le point de départ de toute la vie sur les océans. C'est ce qu'on appelle la production primaire. Ce ver, ces algues qui se développent, qui vont être mangées, ça s'appelle le phytoplancton, qui va être mangé par le zooplancton, qui est mangé par la crevette, par le poisson, et puis qui est mangé par nous, et par les autres espèces marines. Donc, cette photosynthèse, la pompe biologique, elle capte une part du gaz carbonique qui est dans l'air. Et la deuxième façon, ça c'est propre aux océans, c'est la dissolution du CO2 dans l'eau. Et ce qui se passe au sud, c'est que c'est de l'eau froide. C'est une immensité d'eau froide géante. Ça fait 22 000 km de circonférence. C'est géantissime, vous voyez, et c'est de l'eau froide. Et le CO2 a cette capacité à se dissoudre beaucoup plus dans l'eau froide. Et donc cet immense océan, c'est effectivement le principal puits de carbone océanique de la planète, parce que le CO2 se dissout dans l'eau froide. Et autre chose, c'est un océan qui est très venté, la surface de l'eau est très agitée, et dans cette agitation de surface, la mer brasse davantage d'air et prend beaucoup plus d'air. Vous voyez, donc il y a une accélération de par l'agitation de surface et la température de l'air, il y a une accélération de la recapture du gaz carbonique qui est dans l'atmosphère. Et donc on mesure ce qu'on appelle échange atmosphère-océan. Et le PolarPod a une capacité vraiment à mesurer ces échanges avec précision parce qu'il est stable verticalement. Voyez, et sa stabilité permet
avec les instruments qu'on a à bord, de mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Ça, donc, c'est une mesure qui est importante dans le programme scientifique du Polar Pod. Très bien. Un autre point qui sera important, même si il a l'air peut-être un peu moins sexy comme ça, mais quand même, le Polar Pod va pouvoir prendre des données qui vont aider à étalonner les satellites. Et ça, je crois qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est super important quand même. Oui, vous avez raison. Vous savez, ce qui fait la valeur d'une mesure, c'est la constance sur la durée. Et les satellites ont cette force-là de passer et repasser sans cesse. Et ils sont munis aujourd'hui de capteurs extraordinaires, si vous voulez. Et donc, les satellites, ils travaillent tous les jours, jour et nuit, les jours fériés, vous voyez, ils ne s'arrêtent pas du tout, ils ramènent de la mesure. Et sur la durée, c'est ce qui fait sa valeur. C'est un peu ce qui fait la valeur de cette mission Polar Pod, c'est qu'on va faire des mesures en continu pendant 3 ans. Et donc, dans le programme, Nathalie, vous avez raison de l'évoquer, nous avons la validation des mesures satellites. Parce que le satellite, il a besoin, donc les chercheurs mettent les instruments à bord, et on a besoin de calibrer la mesure par rapport à ce qui se passe au sol. Voyez. Et donc, on appelle ça un calibrage. En anglais, ils appellent ça le ground truth, la vérité terrain. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons donner aux personnes qui travaillent sur ces mesures à partir des satellites, à l'instant T, la température de l'eau, la vitesse du vent, la hauteur des vagues, la couleur de l'océan. Vous savez que par satellite, il y a la fréquence, par exemple, quand le soleil éclaire le phytoplancton, un rayon de soleil qui émet effectivement, du satellite, on voit le rayon qui est émis, si vous voulez, et par la fréquence de ce rayon, on peut arriver à connaître l'espèce de phytoplancton. Donc, c'est extrêmement précis. C'est les satellites, si vous voulez, qui aujourd'hui nous donnent cette mesure qui nous effraie de plus en plus, c'est que le niveau de la mer monte de 3,2 mm par an. Et ça, ce sont les satellites qui passent et qui repassent. Ils ont ce qu'on appelle des altimètres. Des altimètres, si vous voulez, qui permettent de mesurer la hauteur de l'océan. Donc, ça fait partie des programmes, la validation des mesures satellites. Autre volet scientifique de la mission, l'étude de la pollution, au sens un peu large, les microplastiques, les fameux, mais aussi d'autres contaminants chimiques qu'on espère ne pas retrouver par là-bas, mais à voir. Oui, est-ce qu'on va en trouver ? Donc, effectivement, on va faire des prélèvements d'eau de mer. Et des analyses seront faites sur ces éléments que vous avez dit, effectivement, les microplastiques, pesticides, organochlorés, contaminants, tous les contaminants, métaux lourds. Voilà, ça, c'est un état des lieux que nous allons faire sur la durée, qui sera intéressant de voir au sud du Pacifique, au sud de l'Atlantique, et sur l'océan Indien. Donc, nous allons mesurer l'impact de l'activité humaine, effectivement. Et donc, on pourra mettre ça ensuite en rapport peut-être avec un dernier volet. Vincent, je vais te laisser la main de nouveau sur l'étude de la biodiversité en Antarctique. Oui, Jean-Louis-Étienne, vous parliez de la pompe biologique. C'est fascinant, une pompe biologique qui est fondamentale pour le climat, mais elle est aussi fascinante en elle-même. C'est cette pompe biologique, si on entre dans le détail, ce sont beaucoup d'espèces emblématiques. Il y a le fameux manchot empereur, les espèces qu'on connaît bien. Il y en a d'autres beaucoup moins bien connues. Notamment parce que ce courant circumpolaire, si j'ai bien compris, constitue une barrière écologique qui fait qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont endémiques de cette région et qu'il faut encore étudier et observer. Oui, il y a beaucoup d'espèces qui sont inféodées à cette région, effectivement, parce qu'ils ont l'habitude de vivre dans ces eaux froides. Et vous l'avez souligné, c'est vrai, le point de départ qui alimente toutes ces vies, c'est la pompe biologique. Hein, c'est ce petit phytoplancton que j'évoquais tout à l'heure, qui est mangé par le zooplancton, et le krill. Le krill, c'est un petit crustacé qui est gros comme mon petit doigt, là, qui fait 4 ou 5 cm de long, et qui est le sandwich de toutes les espèces. Tout le monde mange du krill là-bas, que ce soit les albatros, parce que de temps en temps, il vient à la surface, les albatros, tous les manchots, les baleines, tout le monde mange du krill. Et le krill se développe à partir, effectivement, de cette production primaire végétale, de zooplancton, etc. Quelle était votre question déjà ? Oui, d'essayer de lister un petit peu ce que vous vouliez observer, oui. Quel était l'enjeu en termes d'espèces à identifier. Tout
Tout à fait. Et donc, on va faire un inventaire de la faune. Alors, on va faire un inventaire de la faune sur le même principe que les Américains, avec leur flip, écoutaient les sous-marins. Nous, on va écouter la faune. Et donc, on va mettre sur la structure ce qu'on appelle des hydrophones, des micros sous l'eau. Et on connaît aujourd'hui la signature sonore de toutes les espèces. Et on peut lire, tiens, une baleine bleue, tiens, un orque, voyez, tiens, un éléphant de mer, voyez. Donc, par acoustique passive, on va entendre le bruit de la mer, le bruit de fond, et ça va permettre, comme ça, sur les 3 années autour de l'Antarctique, de ramener un inventaire de la faune qui sera assez précis. Il y a des espèces assez légendaires. Il y a par exemple le calmar colossal, je crois, qu'on n'a jamais observé vivant. On n'a vu que des espèces d'espèces mortes. Vous avez l'espoir de le voir enfin ou de l'entendre enfin dans son milieu naturel ? Ah, le calmar colossal, oui. Alors, il existe, hein, c'est pas une légende. C'est pas que dans Jules Verne, ça existe. Ouais. Alors, Jules Verne, c'est le géant. Alors, le géant, il existe. Enfin, oui, on le connaît, le géant. Mais, si vous voulez, le colossal, il vient des pêcheurs qui travaillent là-bas, qui travaillent sur des poissons comme la légine, par exemple, qui vont pêcher le krill, ont ramené des morceaux de tentacules. Je fais comme ça parce que c'est une bête qui fait une quinzaine de mètres de long, vous voyez, les tentacules. Donc, on ramène des morceaux qui ont été étudiés. Et génétiquement, ce n'est pas tout à fait le même que le géant. Et donc, ils l'ont baptisé le colossal. Il doit avoir à peu près la même taille, si vous voulez, mais on ne l'a jamais vu. Et donc, un Japonais a filmé le géant avec une fibre optique, une caméra, une LED pour simuler le poisson lanterne que le calmar mange. Et donc, on a l'intention, certainement, de faire pareil. Alors, imaginez, vous descendez une fibre optique à 2000 mètres avec une LED qui vous permet, la fibre optique remonte l'image. Et à la passerelle, si vous voulez, à un moment donné, on voit une espèce de gros truc qui va venir là. Ça serait formidable, donc, de ramener l'image du calmar colossal. Voilà. C'est pas une légende. Oui, il y a cet enjeu passionnant, un petit peu, tel les naturalistes du 19e siècle, d'observer des espèces. Et il y a aussi un enjeu beaucoup moins enthousiasmant, qui est de documenter les dégâts et l'urgence actuelle, notamment les dégâts climatiques causés sur la faune locale. Vous parliez du krill. Le krill, par exemple, se reproduit à des périodes spécifiques sur la glace, sur la banquise. Et un des enjeux, c'est par exemple de savoir si, pareil, dites-moi si j'ai bien compris la chose, l'avancée du réchauffement qui perturbe les phases de fonte des glaces perturbe les phases de reproduction du krill, ce qui peut avoir un impact après sur toute la chaîne alimentaire. Oui, c'est vrai que le krill mange été comme hiver, si vous voulez, et en hiver. Il y a donc, on parle depuis tout à l'heure de l'Antarctique, du continent antarctique, qui est un continent de glace, et on parle depuis tout à l'heure aussi de l'océan austral qui en fait le tour. Et en hiver, effectivement, l'océan austral gèle des fois jusqu'à 300-400 km au large. Voilà. Et sous la banquise se poussent des micro-algues, des petites algues, et on voit le krill, hein, ce petit crustacé qui vient brouter. Qui vient se nourrir, qui vient brouter sous la banquise, qui vient brouquer toutes les algues. Et il est évident que s'il y a, avec le réchauffement climatique, cette surface de banquise diminue, c'est autant de prairies en moins, si vous voulez, pour le krill. Ça fait partie, effectivement, des préoccupations que nous avons pour le krill. C'est énorme, hein, vous parliez de l'importance de ce krill en termes de biomasse. Alors, ça varie énormément les chiffres parce que c'est encore justement pas assez étudié, mais ce serait plus ou moins l'équivalent de la population humaine en termes de masse organique. Oui, c'est gentilissime. Alors, le krill se déplace par, on appelle des essaims qui font 400 km². C'est géant, c'est des trucs comme ça qui se déplacent. Alors, et les baleines, surtout les baleines bleues, qui elles se nourrissent essentiellement de ça, elles rentrent avec la gueule ouverte dans l'essaim, se nourrissent avec la langue, l'évacuent, la flotte, et le krill est filtré par les baleines, ce qu'on appelle les baleines, les fanons, si vous voulez, voilà. Donc, il faut dire que le krill est la base de l'alimentation de toutes ces espèces, donc il faut limiter la surpêche de krill, donc le krill est surveillé, et puis les quotas de pêche sont donnés par un organisme international, la CAMLAR, qui donne des quotas de pêche en fonction des estimations de population. On a encore évidemment énormément de questions à vous poser, mais le temps file et on va essayer de poser un petit peu les questions des internautes.
Il y a Phasme Spationaute qui pose une question. Vous faisiez référence tout à l'heure à Thomas Pesquet. Et justement, il se demande si on va pouvoir sélectionner les scientifiques qui iront à bord du Polarpod de la même manière qu'on peut postuler à l'ESA. Est-ce qu'on peut encore postuler pour monter à bord? Alors, écoutez, on n'a pas encore commencé le recrutement de personnes, donc si vous voulez. Il y a un comité directeur scientifique qui va être mis en place et qui très certainement fera appel, si vous voulez, à candidature à un moment donné. Donc les personnes qui ont le plus de chances de venir sont des personnes qui ont déjà fait des missions océanographiques, donc qui sont habituées à vivre en mer, si vous voulez, parce que quand vous partez pour 2 mois à regarder les vagues, même s'il va y avoir de l'occupation, si vous voulez, mais je fais aussi ce rapprochement avec la Station spatiale internationale parce qu'on fonctionne un peu sur le même style, c'est-à-dire on est un arbre de Noël de capteurs. Vous voyez, il y a aujourd'hui 43 institutions de 12 pays. Il y a beaucoup de capteurs et 4 personnes qui feront tourner ça. Alors, ce sont des ingénieurs scientifiques, vous voyez, qui savent bricoler sur les capteurs, les recalibrer s'il faut, les réparer s'il faut. Voilà le profil de personnes qui sont des personnes qui sont habituées à faire des campagnes océanographiques, qui connaissent les équipements, qui sont capables effectivement de faire la maintenance de ces appareils. Alors je ne sais pas, il y aura certainement à un moment donné un appel à candidature, mais ce n'est pas encore, quoi. Alors on n'a pas encore sélectionné les personnes qui iront à bord, mais est-ce qu'on verra Jean-Louis Etienne à bord du Polarpod? Alors écoutez, j'espère, hein, j'espère. Moi j'ai fait pour ça, pour monter dans la fusée quand même. Hein. ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet, et 10 ans ininterrompus, au sens où il n'y a pas une journée où je ne parle pas. Alors, il y a les approches technologiques que j'ai évoquées, ça demande du travail, mais ce n'est pas trop moi qui m'en occupe, même si j'adore la technologie. C'est surtout le bureau d'études, CHIPST, la science aussi, je m'en rapproche parce que j'aime ça, mais c'est la recherche de financement qui est toujours compliquée, mais ça a toujours existé. Magellan, il a mis 7 ans, vous voyez, pour trouver ses finances, pour faire le premier tour du monde. Et en plus, il avait changé de nationalité. Il était portugais, c'était les Espagnols, la couronne espagnole qui s'est interrogée à son projet, et il a changé de nationalité. Bref, donc tout ça pour dire que c'est une épreuve d'endurance, vous voyez. Et donc, oui, je rêve d'y aller et j'irai. Dans le meilleur des cas, j'aimerais faire une rotation sur chaque océan, c'est-à-dire 2 mois sur chaque océan. C'est ce que j'espère faire. Vous parlez de Thomas Pesquet tout à l'heure, de monter dans la fusée. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, vous avez été candidat spationaute il y a quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter encore aujourd'hui avec la nouvelle course un peu à l'espace à laquelle on assiste? Est-ce que vous continuez à suivre un peu tout ça et peut-être à imaginer pouvoir vraiment monter dans la fusée? Monter dans ma fusée à moi, le Polarpod, oui, certainement. Mais bon, monter dans la fusée, non, faut être. Oui, j'avais candidaté, c'était en 83. C'était la première fois qu'on ouvrait à des civils, vous voyez, parce qu'avant, on a eu Jean-Loup Chrétien, on a eu Patrick Baudry, qui étaient des pilotes de chasse, quoi. Hein, et donc, on ouvrait. Donc, et Claudie Agnoret faisait partie de cette promotion. Mais je n'avais pas été sélectionné. Un jour, l'ancien directeur du CNES, qui était à la retraite, qui avait eu accès au dossier, m'avait dit « Vous étiez numéro 9, on avait pris 8. » Il vous a manqué une chose. Il m'a dit « Vous n'aviez pas fait de publication scientifique. » Enfin, bref. Mais vous savez, quand vous voyez… Je connais Claudie Agnoret, je connais Thomas Pesquet par les médias, mais ça demande des compétences presque qu'on ignore de soi-même, une capacité d'endurance, une capacité, vous savez, on vous met dans des machines à laver, qu'on vous fait tourner dans tous les sens, et il faut que vous ressortiez debout, enfin, c'est des choses auxquelles très peu de personnes résistent, et donc il ne faut pas sous-estimer quand je simule ce passage de Thomas d'un vaisseau à l'autre en volant tranquillement comme ça. Non, ce sont des personnes qui ont un niveau de qualification et d'entraînement exceptionnel. Alors, on a Maxime Emetti qui nous demande… Max, pardon. Par le rêve. je relais un autre internaute, Maxime Emetti, qui demande en fait, dans la gestation du projet Polarpod depuis 10 ans, quels ont été les principaux freins ou obstacles au projet? Alors,
des freins et des obstacles. Il y a, en même temps, j'ai eu la chance, si vous voulez, que la communauté scientifique et la communauté politique aussi s'est intéressée à ce projet qui va être un projet ambassade. Hein. C'est un, vous l'imaginez, vous voyez, j'ai présenté ce projet à National Geographic aux États-Unis. Eh bien, à National Geographic m'a fait une pleine page sur le projet, uniquement sur le projet. C'est un signe d'une qualification exceptionnelle. Donc, l'État, à travers la communauté scientifique, a décidé donc, de financer ce projet. Mais un financement d'État, c'est quelque chose qui prend du temps. Si vous voulez, il faut le valider. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des appels d'offres auprès de chantiers. IFREMER est maître d'ouvrage, donc c'est une institution, si vous voulez, qui prend la responsabilité du projet en termes de construction. Donc ça demande des passages en conseil d'administration, des études, etc. Je dirais, si vous faites ça à titre privé et que vous faites ça avec votre argent, vous allez beaucoup plus vite parce que c'est vous qui prenez le risque, si vous voulez. Mais quand un organisme comme IFREMER, qui est un organisme d'État, prend la responsabilité de soutenir ce projet, c'est-à-dire d'envoyer des personnes en mer sur cet océan-là, donc ça veut dire qu'en amont, toutes les dispositions ont été prises et tout ça, ça prend du temps. Mais ça rejoint la question d'un autre internaute qui demandait comment se crée et se finance ce type d'opération. Et je rebondis là-dessus, vous évoquez souvent dans les interviews le côté entrepreneur de votre métier. Pour être aventurier aujourd'hui, il faut être entrepreneur en fait. Mais sans m'en rendre compte, j'étais déjà un entrepreneur quand je suis allé au pôle Nord en 1986 ou quand j'ai traversé l'Antarctique avec des chiens. Quand je dis entrepreneur, on ne voit en fait souvent que la partie émergée. C'est-à-dire les images de moi au pôle Nord en train de me cailler, vous voyez, tirer mon traîneau sur une banquise très abîmée. Mais en fait, derrière il y a déjà la gestion d'une idée, s'approprier l'idée, la conforter, se dire que vraiment on a envie de faire ça. Ensuite, c'est la recherche de financement, ça prend du temps, c'est construire un traîneau. Il y a des certifications à avoir, il y a de l'organisation, il y a du juridique, il y a du financier. Vous voyez, il y a toute une base derrière, effectivement. Et plus le projet est gros, plus ça prend du temps. Et donc, aujourd'hui, quand je parle de PolarPod, je dis que c'est ma cathédrale au sens. Une cathédrale, vous voyez, c'est quelque chose, un bâtiment gigantesque qui repose sur des fondations qui ont été travaillées pendant longtemps. Et les 10 années que j'ai évoquées, ce sont des années où, effectivement, il y a un travail permanent. Et quand je dis entrepreneur, mais dans tout ce que l'on entreprend, et j'encourage ceux qui ont une idée comme ça et à laquelle ils tiennent, d'y aller dedans. D'y aller. Ça, moi, quand j'en parle, j'ai l'air passionné, ça a l'air facile pour moi, mais je peux vous dire, je ne suis pas inoxydable, je passe des moments où je suis découragé, mais on n'y arrivera pas. Mais je sais d'expérience que il faut sortir les antennes, c'est-à-dire ne pas attendre qu'on vous serve le truc, il faut aller sans arrêt explorer, aller chercher les trucs. Vous voyez, j'ai dit, il faut sortir toutes les antennes de manière à capter ce qui, de temps en temps, peut l'alimenter, le projet. Et vous voyez, un truc tout con, vous allez au cinéma, il y a un film qui vous a fait vibrer, un bon film, et on sort de la salle avec, vous voyez, ravigoré, on a envie de faire quelque chose de bien de sa vie, vous voyez, ça a réveillé quelque chose, c'est vous. Et bien, c'est pour tout pareil, de temps en temps, je lis un article, bon sang, je dis, mais ça, c'est exactement ce qu'il faut pour PolarPod, et je prends mon téléphone, et vous voyez. Donc, c'est un travail permanent d'enrichissement du projet, et tout se fait comme ça. Donc, quand on a une idée, c'est y consacrer du temps, du travail, et beaucoup de persévérance. Et c'est comme ça qu'on arrive. Dépasser le découragement. Vous savez, le découragement, c'est un test. Le découragement, c'est un test permanent à franchir pour faire quelque chose de sa vie. Alors, une autre question d'un internaute, Jean-Louis, qui nous demande combien de temps il faudra pour traiter les données qui seront récoltées sur le PolarPod. Alors, écoutez, on a eu une réunion à la direction scientifique. J'ai entendu la phrase, avec tout ce que l'on va capter comme données, il y en a pour 10 ans de travail. Au sens où ça va alimenter la recherche dans une multitude de domaines, au moins une dizaine d'années pour arriver à exploiter tout ça. Donc, ce qu'on va ramener est d'une richesse exceptionnelle. Alors, justement, ça me permet de rebondir un peu. Vous avez aussi, sur l'expédition, un volet de vulgarisation scientifique. Est-ce que peut-être que les lecteurs de Futura et les personnes qui nous suivent aujourd'hui sur ce live
auront la joie de suivre un petit peu tout ça en direct, les aventures de l'équipage et puis les travaux ensuite qui seront menés. Non, mais vous l'avez remarqué, j'adore la pédagogie. Parce qu'en fait, la pédagogie, ça me force à comprendre. Voyez, pour expliquer simplement, mais ça c'est votre métier, hein, Vincent et Nathalie, pour expliquer simplement des choses complexes, des mots choisis qui ne dénaturent pas, voyez, vous voyez ça, trouver le mot juste, qui est une image. Voyez, l'histoire du navire vertical, pour moi, ça m'a beaucoup servi. Quand vous essayez d'appeler quelqu'un pour vous faire aider, par exemple, il sait que je vais lui demander de l'argent, donc il ne me prend pas au téléphone, il fait retarder, mais je n'ai pas encore eu le temps. Sur quoi vous travaillez? Je travaille sur un navire vertical. Pam! Navire vertical, ça, il se dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Là, vous avez un peu ouvert la porte. Après, il faut mettre le pied. Vous voyez, c'est ça. Et votre question, c'était la pédagogie. Et la pédagogie, c'est ça. C'est de trouver des mots simples qui percutent dans la tête des gens. Et donc, j'aime ça. Vous savez, j'ai commencé la pédagogie avec les expéditions, avec Edutel, le Minitel de l'éducation nationale. Vincent, vous ne l'avez pas connu, si? Oh, un petit peu, mais ouais. Un petit peu, ouais. Nathalie, Minitel. Les Français ont inventé, si vous voulez, un ancêtre d'Internet. Mais on s'est arrêté là, c'est dommage. Mais je faisais donc la pédagogie, si vous voulez. On faisait la pédagogie à partir de ça. Et donc, ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, si vous voulez, qu'ils pourront suivre effectivement le PolarPod. On a un site. Mais tous les relais sont bienvenus, voyez, partager, faire circuler l'information. Et je connais Futura, bien sûr, et donc vous serez un relais tout à fait adapté pour périodiquement relayer PolarPod. Mais je vais terminer maintenant. Et bien sûr, PolarPod est un grand projet. Vous avez évoqué, Vincent, moi je dis que je suis un entrepreneur d'expédition lointaine. Moi, j'ai commencé par un CAP de tourneur-fraiseur, vous voyez. Je n'avais pas les notes pour entrer en sixième, parce qu'on s'est rendu compte, je le sais maintenant, il y avait des trucs qu'on ne savait pas à l'époque, mais il y a des dyslexiques, dysorthographiques, troubles d'attention, tout ça, c'est des choses récentes, mais je n'avais pas les notes. Donc, je suis rentré en formation professionnelle, c'est ça qui m'a donné après le goût, parce qu'on travaillait, on était noté sur les choses qu'on faisait avec ses 10 doigts, vous voyez. On avait 16 heures d'atelier par semaine. Et on avait de la technologie de construction, du dessin industriel et des mathématiques. J'aimais ça. Et je me suis révélé un bon élève à partir du moment où on faisait des choses que j'aimais. Et donc, je dis aux parents et je dis aux enfants, j'en profite tout le temps pour dire ça, c'est qu'il ne faut pas désespérer, mais à très tôt, si on n'a pas trouvé sa place dans le cursus scolaire standard, aller vers une formation professionnelle. Il y a derrière chez moi un lycée professionnel et à la rentrée, il y a 2 ans, enfin, à la rentrée, c'était au mois de septembre, je passais devant, il y en a 2 qui sortaient du lycée professionnel, il y en a un qui dit à l'autre, t'es dans quoi toi? Il lui dit, je suis en pâtisserie, putain, c'est génial. Et dans le putain, c'est génial, je me suis régalé, j'ai compris qu'il avait trouvé le lancement de sa propre énergie, vous voyez ce que je veux dire? Et une fois qu'on a trouvé le bout de la pelote, après on y va. Donc, c'est ça que j'aime dire, si vous voulez, je ne suis pas un héros de naissance, quoi, hein. J'ai construit mon existence sur une idée de jeunesse. C'est vrai que faire des expéditions, c'était un rêve de gamin, voyez. Puis j'ai fait médecine, chirurgie, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est peut-être le moment de faire des expéditions. J'avais 25, 26 ans, c'était fini pour moi d'avoir une carrière d'alpiniste ou de marin, mais j'étais médecin, c'est comme ça que j'ai proposé mes services. Et le pôle Nord, c'était un peu mon Everest à moi, vous voyez, mon Cap Horn, après avoir fait la course autour du monde, était à l'Everest, je n'avais pas gravi le sommet. Hein. Et le pôle Nord était mon Everest à moi ou mon Cap Horn, et j'ai renoué avec ce rêve d'enfance qui était de faire des expéditions. Je me suis dit, ça va être ma vie. Tout ça pour expliquer que notre capital, c'est nous-mêmes, si vous voulez. Et souvent, on nous demande d'avoir déjà des perspectives pour l'existence à l'âge de 13, 14 ans. Mais on est un gamin, on ne peut pas rêver de ce que va être notre vie. Et puis, on ne sait pas ce que sera le futur. Ça avance tellement vite, la technologie. Restez, avancez sur le chemin de vos rêves, même si le chemin est difficile. Ça sera ma conclusion. Avancez sur le chemin de vos rêves, même si le chemin est difficile. Ben, merci beaucoup pour cette belle conclusion, Jean-Louis Etienne. On vous souhaite bon vent et bonne chance pour cette aventure. On espère que vous reviendrez nous raconter la conclusion une fois que ce sera terminé.
Avec Pierre, Vincent et Nathalie, et à une prochaine fois. À une prochaine fois. Au revoir fois, à tous qui nous regardent. Écoute, au revoir à tous. Merci. Et à bientôt tout le monde pour un prochain live Futura. On se retrouve bientôt. Au revoir.